Yo, ici Truffy et bienvenue pour la suite de notre Let's Play The Walking Dead. Conformément à ce que j'ai dit l'épisode précédent, cette vidéo va se consacrer à nous faire découvrir le choix alternatif qui est de sauver Nick. Alors si vous n'êtes pas intéressé ni curieux par cette alternative de rendre compte des efforts qu'ont fait les développeurs pour proposer un second scénario, on va dire, ou au moins un choix vraiment distinctif, passez votre chemin, Walker. Cela dit, gardez en tête que ceci ne fait pas partie de l'aventure originale, ce n'est qu'un bonus pour assouvir notre curiosité. Découvrons ensemble l'issue de cette histoire. Oh, hey, c'est une cabane ? Très intéressant. Il y a toujours John Lennon, par contre, avec sa belle chemise, et cette espèce de bimbo sans cheveux. Dégueulasse. Colle pas tes nichons là-dessus. C'est très intéressant qu'on soit dans une cabane. Et elle a l'air très précaire, donc mal en point. Nick, frère de casquette, on va se faire niquer. Oh, en plus, y'a vraiment rien. Oh, Nick, utilise tes biscottos. Cucucu, ça marche pas. Oh, ok, si j'appuie pas sur la bonne touche, tu me fais quoi là? Trouve quelque chose. Ce serait une bonne idée, même si c'est plutôt mon rôle, mais vas-y. Loin à la détente, le garçon. Mais me laisse pas toute seule. Oh, vite. Oh, t'es moche, dis. J'ai pas besoin d'appuyer sur Q, en fait. Wow. T'as claqué une caisse, Nick. Enfin, pas dans ce sens-là. Quel biscotto, quand même. Il arrive à soulever une caisse qui bloque des walkers. Pas mal. Pas mal. Il a perdu un goût à la vie. Oh, le pauvre. Je suis désolé. I'm sorry about Pete. Whatever. Ok. La vie, ça craint. Why'd you leave my uncle? Pourquoi je l'ai laissé? Back at the stream. Oh, c'est un choix... Why'd you follow me? C'est un choix difficile quand même, parce que si je lui dis pas qu'il a été mordu, comment il peut comprendre? Ah! Et si je lui dis pas que je lui fais confiance, ça fait vraiment la riviste, tu sais, genre, oh, il était mort de toute façon. D'ailleurs, il y a beaucoup qui pensent comme ça dans les commentaires, et c'est inhumain quand même. Je veux dire, même si t'es mordu, je veux dire, imagine que c'est la personne la plus proche. Tu le laisses pas parce qu'il est mordu, quoi. Bon, je te faisais confiance. I trusted you. Well, I'm stupid. Ah oui, d'accord. Faudra que je lui dise un jour qu'il a été mordu. What do we do now? I don't care. If we're stuck here, we should at least look around. Maybe we can find something to help us get out of here. Il est genre... Knock yourself out. Il est en mode... Ah, la vie, c'est de la merde. Et Monique, nique la vie. frère de casquette. Décidément, tu n'as pas de chance dans la vie. C'est son seul parent, je crois, Pete. Et il vient de décéder de façon atroce. Bloqué par une caisse de pommes, c'est marqué Apple. Soit ça, soit il y a Steve Jobs dans la caisse. Je ne sais pas ce qui est le préférable. Nick, you wanna give me some help here? Faut qu'on sorte d'ici. Bon, Nick aime bien me dire je te nique. Alambic. Cette situation est alambiquée, non, même pas drôle. Just still. I know what it is. The fuck you do. Okay, what then? It's for making booze. That rig ain't fit to piss in. D'accord. Je braille pas ta piste non plus, c'est ce que t'étais en train d'insinuer. Espèce d'alcoolique, va. Nicky, il a des connaissances très utiles, genre un alambic. Rien dans cette étagère. Et dans cette caisse. Peut-être qu'il y a des choses. All this food is rotten. Oh. I said this food is rotten. Rien à foutre. Il a pas encore grandi sa moustache, Clémentine, c'est normal. Ça fait vraiment la fille qui cherche l'attention. J'ai dit, la nourriture est pourrie. Une planche. Que peut-être... Oh, des petits pots de beurre. What is that stuff? Let me see. Je parie que c'est de l'alcool, non? Ou de la pisse. C'est de la pisse. Whisky. Sérieux? Now what? Oh fuck if I know. We wait, I guess. Ok, meilleure solution au monde. Bah moi je me mets à côté de Bobby la boîte.
Et on attend, d'accord, c'est passionnant. Pourquoi ils attendent? Ils ont une fenêtre, ils se barrent. Enfin, moi, je peux passer, en tout cas. Enfin, ça fait du bruit de casser du verre, c'est vrai. Wow. Nick, il a fini tout le whisky, je crois. Chut, calme-toi. Quel cul de zombie magnifique. Nick, qu'est-ce que tu fais? Arrête de niquer des bouteilles comme ça. Nick! Chut! Arrête de faire ton émo dépressif. Tu me fais peur. Non. Stop! Ne fais plus un geste. Non, il t'a rien fait! Pauvre petit pot. C'est poti. Oh non, petit pas d'épices, non! Oh. Non? Ok. Faux espoir. I had to kill my mom. C'est soudain. Mais je m'y attendais. Sounds weird when I say it out loud, huh? Plutôt, ouais. Luke always used to push me. Ah bon? I never wanted to go into business with him. Vous êtes amis, donc? I remember when he sold me on it. His big plan. Some fucking plan. C'est-à-dire? Case of beer in, he just said, Nick, we're burning daylight. And that was that. After 6 months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. Donc tu admires Luc. Just not built like toi, that. Toi, tu es Yann Solo, en fait. Ou Han Solo. Everyone I grew up with. It all happened to them. Donc t'as plus de parents. Now, it's gonna happen to us. Mais non, on est frères de casquette, ça va aller. We're all so fucked. On va s'en sortir. Tu es juste bourré. This whole world is fucked. We'll make it. Bullshit. Non, j'y crois, moi. Crois en Clamichou et tout ira mieux. I mean, what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. Non. Eventually, it'll be our turn. Il faut rester ensemble, fort, unis. I can't believe we've been here a day. A day. It's been a day, right? Et t'as fini 5 bouteilles de whisky. Enfin, 5 petits pots. Hey, kid. Quoi? Have a drink with me. It's gonna be your first and your last. Allez. C'est pas responsable. To Peter Joseph Randall. The nicest mean old bastard I ever knew. J'ai plus de whisky, mais c'est pas grave. Oh. Je voulais voir sa réaction. Plus jamais. C'est comme la cigarette. Tu testes une fois, moi j'ai jamais fait. Listen, ça te dégoûte. Comme ça, tu t'éloignes de ces conneries. What are you gonna do? Tu vas te sacrifier aussi. Stay here. I'm et bourré. Tu sais plus marcher droit, find surtout. Luke and the rest. They'll take care of you. J'ai connu quelqu'un comme toi, il s'appelle Kenny. Better than me. We can make it. We have to try. I don't have to do anything. Viens avec moi. Ne fais pas ta tête de mule. Ne dis pas nique la vie. Come with me. Are you kidding? And leave all this? You can't just sit here and die. Why not? What does it matter? You still have Luke and everyone else. Their family. Oh. Clémichou. Nick, I need your help. Please. Viens avec moi. On n'abandonne jamais quelqu'un. You're right. Sauf si c'est Lily. Et même Lily, je l'ai pas abandonnée. Yeah. Now look, if we get separated, ouais. The cabin's only half a mile from here. You can't miss it. Ouais, c'est un peu les bois, donc. You ready? On va faire boire du whisky aux zombies. Ça va être party time. Tout le monde va danser. Tout ça va. Fuck it. Nick sa mère. Citation de Nick. Nick sa mère. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait en plus? Pas dans ce sens-là. Lâche ce petit pot. Oh, ta fille, on a petit pas d'épices, un zombie. Oh, fuck you, motherfucker. Ce mec, il est trop grossier, quoi. Oh, shit. Nique la vie, nique la vulgarité, nique tout. Hey, over here. Qu'est-ce que tu fais? Come on, you fucks. Look at me. Get the fuck out of here. Tu pourrais venir avec moi. Viens avec moi.
Mais arrêtez de me repousser tous! Oh! Mets des patates à John Lennon et tout! Tiens! Je te pousse dans le nichon! Dans tes ovaires! Droite! Cours, le nichon! Eh, c'est un badass quand même, ce Nick. C'est genre, je nique tout! Et... Il est pas mort puisqu'on le voit pas mourir. Il va revenir avec 50 pots de whisky, genre, eh les copains! Intéressante alternative pour Peter boire un coup et tout ça. Maintenant, je vais être un connard avec l'autre Carver pour voir. Parce que la dernière fois, j'ai essayé d'être gentil parce que j'étais pas sûr. Je suis même pas sûr que ce soit Carver. It's been hours. Where are they? Clem! We got attacked. By who? Walkers. Jesus! Pete got killed. I was with Nick, but... Mais quoi? My God. Mon Dieu. What's wrong? Where's my dad? Demande ce qui se passe si je lui dis la vérité. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't he? Ça t'étonne? He is in trouble. Quoi? Oh my gosh. Pas vraiment, non? What happened? Tout le monde est mort. Non. Pete est mort. What's going on? Pete's dead. Faut au moins qu'elle sache ça. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'elle va le prendre? Sorry, I just need to... Quoi? Ok. Quoi qu'elle fasse, elle se soit... Quoi qu'on fasse, elle se soit par terre, en mode... Position réconfortante. Et là, je vais pas prendre la responsabilité de faire ça. It's too dangerous. Everything is dangerous. I need to know something. J'aime bien, en fait. You should let your dad teach you. C'est sûr. Je fais vraiment des choix radicalement différents pour qu'on ait la chance de voir par la suite aussi les interactions qui vont arriver, plus que mes choix personnels. Les choix personnels, c'est le scénario original. Hello there. Bonjour. Dégagez, j'ai une arme. bonjour. On va dire bonjour. Hello. How are you? Okay. How are you? Well, I'm doing just fine. Thank you. My family and I are set up a ways down river. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? Je vais pas lui dire mon nom, je vais lui dire c'est quoi votre nom? What's your name? My name is George. George, j'ai pas confiance. Je serre la main, tiens. Pleasure to meet you. Oui, moi aussi. Elle a l'air. You mind if I come in? Ah, j'aurais dû lui fermer la porte au nez. You don't usually see cabins this big out here. Je vais lui dire tout de suite la vérité. Sure could pack a lot of folks in there. We have a big group. Lots. Oh? How big? Dozens. They'll be back soon. And they left you here all alone. They must trust you. Well, I'll cut to the chase. I'm out looking for my people. 7 of them to be exact. J'ai un peu menti. On n'est pas douze. They've gone a long while and... Je ne les ai pas vus. I haven't seen them. Well, that's a shame. You sure? Sûr. Pretty sure. Je me souviendrai d'un espagnol et d'une fille complètement coconne et d'un obèse et d'une femme enceinte exécrable et de deux paysans dont un frère de casquette et un mec qui est mort, chauve. J'ai oublié quelqu'un? Non. Il est venu ici pour regarder les posters de canard en fait. Je te dis 12. Je vais prendre le couteau tout de suite pour voir. Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north looking for Shangri-La. Now, I'm not sure why you'd go anywhere after finding this place. Shangri-La! Oh! Where does this go? Aucune autre interaction. Je vais le prendre. Oh, I'll take it. Pas du tout suspect. Du coup, il range au même tiroir. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug, son of a bitch. Je m'en fous. But a smart man. Qu'est-ce qui lui est arrivé? I miss him. What happened to him? Let's just say we had our differences. Ouais. Sooner or later, people close to you will find a reason to cross you. Happens every time. Et avec quoi tu étais en désaccord avec eux? Well, well, White's in trouble. C'est une question de confiance, tout ça. Three moves away from checkmate. C'est un tacticien. What was that? C'est moi qui ai pété. L'excuse à le plus bidon, c'est probablement le vent de mon cul. It's probably just the wind.
il est pas convaincu. N'empêche, ils ont fait un gros progrès depuis The Walking Dead 1. Il sort pas l'arme de son cul, il a un holster. Lee, c'était vraiment un spécialiste de « je sors l'arme de mon derrière ». Là, au moins, ils se sont dit « bon, les gars, on peut pas tout caser dans un anus, on va mettre un holster ». Ce sourire de pervers dégueulasse. Ma sœur, elle est morte. Je prends la photo. Never seen her before. You have no idea who these people are, do you? Ce sont mes amis. Ah. Oh. They're my friends. Let me ask you this. When you met them. C'est basiquement les mêmes dialogues. How much did they trust you? Pourquoi je ne devrais pas les croire? Why shouldn't I trust them? You have a real good day now. Tu dis exactement toutes les mêmes choses. Ce mec, il a qu'une réplique à chaque fois. Et c'est George par Carver. Mais c'est un menteur, donc c'est Carver. Where is he? Eh bien, c'était des choix intéressants, surtout Nick, parce que ça a été complètement différent. Je suis assez agréablement surpris que les développeurs aient fait carrément un nouveau décor, des nouvelles perspectives, montrer que Nick est un alcoolique qui est jaloux de Luke. On a fait boire Clémentine un peu de whisky pour qu'elle ne touche plus jamais à l'alcool. Voilà. Basiquement, Nick s'est montré plus badass que jamais avec des phrases épiques genre « Nick ta mère ». Il est pas sérieux, quoi. Bien joué, les traducteurs, bien joué. Enfin, voilà. Nick est vivant, quoi qu'il arrive, j'en suis persuadé, puisque dans The Walking Dead, si on ne montre pas une mort, normalement, c'est que il est vivant, le personnage en question. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et on se retrouve pour la suite de la trame originale très bientôt. Voilà, à la prochaine pour davantage de The Walking Dead. Bisous.